Allez, un expresso sur ce pack d'extension des Stormtroopers, hein, une nouvelle série. Vous le savez, on ne les a pas encore en main et donc le juge de paix ne peut pas passer. Mais franchement, là, de ce que l'on voit, c'est déjà un régal. Les premiers Storm paraissaient bateaux, mais là, on retrouve les poses en fait des Death Troopers. Alors c'est joli, mais attention, ça fait quelques temps qu'on a toujours les mêmes poses avec les mêmes schémas. Alors c'est très bien hein, de réimprimer avec de la finesse. Même si c'est stylé, je trouve qu'on manque un petit peu d'originalité et d'exclusivité dans les factions. Ce qui serait bien en fait de mon point de vue, c'est qu'on n'ait pas toujours les mêmes poses dans toutes les factions de répéter. Après, ça aide à identifier les pièces et c'est en ça que ça se justifie. Je ne reviens pas sur la carte, c'est exactement la même que l'original. Alors pourquoi cette sortie ? Je pense que c'est bienvenu car au final on aligne toujours les mêmes figurines et de nouvelles poses ne font pas de mal. Pensez à mélanger pour diversifier. En plus du DLT-19, vous aurez la possibilité d'utiliser le nouveau RT-97 pour 26 points qui balancera un des rouges et 3 des blancs à 1-4. C'est vraiment énorme au niveau de la distance. Le T-21 lui tire 4 des blancs à 1-3 pour 27 points. C'est plus cher. Elle semble moins impressionnant, mais avec Critique 2, si vous visez, vous allez maximiser vos chances de dégâts contre les véhicules. Vous aurez une option de chef dans cette section, ce qui est nouveau et vous permettra de faire face à l'adversité du combat. Et la carte avec les jumelles nous annonce un spécialiste qui nous ajoutera ce qui devrait vous coûter des actions. J'attire votre attention sur le pion d'adrénaline présent sur les visuels. Enfin, une carte offensive vous permettra, tant que vous ne faites pas preuve de couardise, d'être plus efficace. On y reviendra. Voilà, j'espère que cette courte présentation vous aura permis de vous faire une première idée sur cette extension. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt.